Salut, c'est Wendy, c'est aujourd'hui, on se retrouve. Ça s'est défoncé le pied. T'es allé beaucoup trop vite. Ouais, c'est vrai. Donc, salut, c'est Wendy et. Coucou les coupons, c'est Lorela 8. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de. A Psychonaut 2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière session? Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire cet exercice? Parce que t'es très forte dans cet exercice. Non, ce qu'on a fait la dernière fois dans cette session, on a fait la bibliothèque de Cassie. C'est ça, Cassiopeia, Cassiopeia. Ouais, Cassiopeia. Mon dieu. Donc toujours dans le but de débloquer l'astrolabe. Le truc qui te rentre dans chaque oreille et va te percer le cerveau, hein. Moi je vois que ça. C'est hein. Ça, bah oui, rien. Les foreuses qui vont te faire. Paf, hein. Les foreuses qui vont te faire vriller l'esprit, voilà. Voilà, on va dire tout ça comme ça. Tout à fait. C'est le slogan. Et du coup, voilà, on s'était retrouvés encerclés par des abeilles. Les abeilles pas du tout gentilles et coopératives. Le son est très fort, ouais, monsieur. Parce que le truc, c'est que vous allez entendre en double. Donc voilà, nous nous étions retrouvés dans le niveau de Cassiopeia, donc une des Psychic Six, qui s'avère en fait avoir différentes personnalités. Là encore, on aborde une thématique assez connue dans, on va dire, psychanalyse. C'est qu'on a plusieurs personnalités, sans même le savoir, sans même le vouloir, avec n'importe qui. Et Cassie, justement, elle avait quatre personnalités. Donc on a rencontré chacune de ces quatre personnalités. C'est elle qui nous a débloqué notre dernier pouvoir. Projection. Non, toujours pas. Si. Bon, la projection. La projection. D'accord, là. C'est le nom. D'accord. Officiel de ce. La projection, mais ce n'est pas. Mais c'est... L'archétype. L'archétype. Je disais déjà ça la dernière. Avec le super. Merde, avec le petit avion là. Avec le super archétype de Raz qui fait n'importe quoi. Regardez. Paf. Alors, je ne. Qui se prend pour notre original en fait. Je crois que. Nous, c'est... on est la copie. Donc voilà, à l'issue de ce niveau, du coup, Cassie a retrouvé pleinement confiance en elle. Elle est prête à aider. Et du coup, si je dis pas de bêtises, elle est. Elle a retrouvé Campton. Je crois. Oui. Elle est partie avec Campton. Donc la partie avec les abeilles est gérée. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Prochaine étape, le last bullet. Bah, on doit se débarrasser des vignes. Voilà, il y avait des vignes, des espèces de lianes super résistantes. Et il faut trouver. Elle est là. Il faut trouver un moyen d'enlever ces lianes. Voilà, elle est là. Coucou. Tu la vois pas? Ah oui, putain, je me fais gaffe qu'ils étaient là. La grande asperge. Non, mais j'avais pas vu. T'avais pas vu? Ah non, pas je, vu, non, je regardais l'animal bizarre là. Ah, d'accord. Mais non, mais il y a Cassie et Compton. Ils sont attends, là. Attends, je vois la. Mais ils me voient. D'ailleurs, on n'a pas vu comment elle nous voit Cassie. Bon, on voit comme. Ok, normal. Lui, il nous voit comment? Parce que lui aussi, on l'avait pas vu. Oh, on est une abeille. I'm a bee. Et pour elle? Oh, on est trop incroyable! Ah, je peux avoir un autographe! Non, bah oui. Bah oui, c'est vrai, on est un fan. Avec... Je suis votre plus grand fan. Avec l'archétype à côté. Magnifique. C'est rigolo. Ça, tu les avais pas vu. Bah non, je regardais l'animal, moi. Psychard. Bon. T'as glissé. Attendez. Psychard. Voilà. Il l'a pas vu. J'ai vu qu'il y avait un autre truc, là. Extrêmement déçu, il a pas du tout. Oula! Ouais. Le problème, c'est. Ouais, voilà. Je vais essayer. Ok. Je suis sûr que c'est elle... pas du tout comme ça qu'on va là-bas, mais. On s'en fout! On casse le jeu, hein, mais tant pis. Il y a quand même moyen de le faire, puisque tu viens de le faire. Là, je vois qu'il y a des oui. Petites barres, là, hop là. Je n'ai pas de clé actuellement. Ok.
Allez, on continue. Non, on a encore une heure. 5 heures. Comme tu dis. Là aussi, pour rentrer là-dedans, ça me fait rien. Ça sert à rien. Ok. On voit des choses. Bah après, j'ai l'impression que c'est le bord vraiment de la map, donc... Oui, tu sais, on était monté dessus à la fin de la session précédente et on traversait des cailloux. On voyait des castors. Mais hein. Qu'est-ce qu'ils disent, eux ? Can you guys help me get those big vines off of the astrolabe? Sorry, but plants are Bob Zanotto's area of expertise. Yes, I've always found them rather thorny. Ah. Oh, bully. Ils sont trop tous les deux. Ah, Bob Zanotto. Bah oui, il serait peut-être temps. Oui. Parce que finalement, c'est le dernier auquel on n'a pas eu affaire. Mmh. Attends, il est où le tien ? Toc. Pour me débarrasser de ça. MDR ? Ça rigole. Hein. Eh ben, disons. C'est très Ils sont contents de cette. Oula, ça c'est dangereux ça. So dangerous. C'est très le lolz. On a vu MC Carol. Ah, ouais, j'en étais sûr. Elle est tombée. C'était déjà miraculeux que t'arrives à baser. Ah, ils sont gentils. Qu'est-ce qu'il y a ? Boink. 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 Une autre. Putain, il y en a plein. Ouh, on les a toutes presque. On les a presque toutes. Ce que je viens de dire, mais dans l'autre sens. Oh, bordel ! Oh, la violence. Ok. Bon, bah, pas par là. Pas par là. Merde. Toujours pas par là. Et il a pas voulu s'accrocher. Il a. Et en plus, j'ai vu un truc, là, que je voulais... Voilà. Yeah. Ah, déjà, il y a Il y a une clé. I'll bet this used to be Otto's workshop. Give me the key, give me the key. Donc là, on a un chemin, mais j'ai vu un autre truc là-bas. Ah, la carte. Plus que deux. Plus que deux cartes et on a tout. YOLO. Ah, YOLO. Alors, le petit coffre, bon, ça va être du citonium, hein, comme d'hab, j'imagine. Citonium. Citonium. 500, c'est pas mal. C'est bien. C'est pas mal. On est vite remonté, hein. Je rappelle qu'on avait plus rien, on avait tout dépensé pour des badges, des améliorations. Et c'est ça. Donc on est quand même bien remonté. Ah, oula, raté. Et hop. Ok. Le retour des plantes carnivores, là. Ah, ça me fait plaisir qu'on retourne sur le jeu. J'y cotate. Allez. Bon. Bah, les feuilles, hein. Ouf. Ça, on avait vu la semaine dernière... Bah, la semaine dernière... la dernière fois. Dans la dernière session. Que ça a explosé, donc... je tire dessus pour être sûr. Plus qu'une. Card. Elle est peut-être au-dessus. Waouh. C'est beau, dis donc. Bon, on a une petite porte. Et là, on a une... I mean 7. Oui. Attends, je veux juste voir si on peut. Monter sur la. Sur la maison ? Oui, on peut. Alors. Où est cette dernière carte ? Là, ça m'étonnerait que tu puisses. Si ? Ouais. Non, je pense pas. Ouais, je pense qu'elle devait être avant et on l'a pas vue. Allez, boum, boum, boum. Je pense qu'on l'a bon. On n'a pas dû la voir, elle devait être avant. Bonjour. Ça n'entend. Eh ben. C'est très le bazar. Oui. Agent Zanotto? Bob? Hey,
that just miss me? Well, his aim ain't what it used to be. You could give somebody a concussion. Yeah, well, it was your choice to come in here uninvited. It's dangerous in here. Lots of broken things. Ow! Oh, a quick. Your nephew, Truman, sent me on a mission to put Ford Crawler back together and Helmet Fullbear. Stop it! Right now! I don't want to hear any of those names ever again, you hear me? They're all lost. Dead. But, Bob... Especially that one! Ow! You're lucky I'm wearing a helmet. Ok. Et bah quel accueil. Ben quoi? On se fait agresser finalement. Vine? Nice vine. On parle du lierre. Do you think Bob would mind if I took a look inside his mind? On va let's go alors. Thanks. Ok, gentil hier. Allez, et c'est parti pour un nouveau niveau. Alors combien de milliers d'heures il va nous falloir celui-là? On va voir. Oui, le niveau sans souriel, c'était le plus long du jeu. Agent Zanotto? Oh. Mais il est là. C'est très la mer. C'est très la mer. Exactement. Comment il nous voit ? Un petit jardinier. Oui, un petit jardinier. Exactement. Ah, ok. C'est quoi ça ? Oh ! Oh là là ! Oh, les grosses pépites. Non, je croyais qu'on l'avait perdu. Le pognon! Le pognon, tout à fait, le pognon. Hello? Agent Zanotto? Strange. I don't usually get visitors here. That sounds pretty lonely. I have my garden. Of course. The Zanottos are famous for their gardens. Hmm. What did you plant here? Plant? What kind of seeds did you use? Oh, seeds. Yeah, that's right. No seeds. Lost them all. Where'd they go? Out there, I suppose. Can't really remember. Well, let's go find them. I'm not a good swimmer. Are you? No. Welcome to the island, then, I guess. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, et comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah déjà, allume ce feu. Starting a signal fire, voilà. No one comes. Non. Je voulais essayer voir si... Peut-être... Ah! Ok. Don't go. Il est peut-être trop pipi.
It's okay. Look, I'll just do some quick seed recon, and then I'll come right back. I promise. Oh là là, mais il a l'air tellement... Oh, il fait de la peine. Oh. Bienvenue dans... D'accord. Bienvenue dans le... dans le niveau radeau de la vêtue. Tu peux revenir, la bribounette. Évidemment, on va jamais revenir. Mais elle est où ? Oh là là, il y en a 165. Ouais, je sens qu'on va pas les choper. Hein. Ouais, bon, bah, ça va me gonfler très rapidement. Allez, casse-toi de là, c'est bon. Comment je... Comment je... Ah. Là. Ok. Très joli. Bon, cette bouteille... Alors, la télékinésie, elle est là. Donc... What? Hein? D'accord. It's time for my recital. C'est que ce délire. Come inside, I made dinner. Deux. Ne regarde pas l'ombre. Hey. Hold it right there. Why? I wouldn't want you to get hurt. How could that little thing hurt me? Oh, they always start out little, don't they? And then they grow and cause so much pain. Here, let me just take this somewhere safe. Wait, no, I want that. No, you don't. Okay. D'accord. Ahoy there. Lend a hand. What do you need? Just caught in a bit of a bind here. If you could jiggle me loose, I could get some fresh air on my face. I'll work it out. Just hang in there. Was that a joke? Because I didn't ask for any jokes. Ah, that's the stuff. Yeah, a little motion really gets the juices... flowing, if you know what I mean. Hang on! I'll break that final vine. No. Just leave it. I think this is all the freedom I can handle right now. Ouh, ça va être technique. Uh-oh. How'd you get yourself caught by that bird? Caught? I got this feathered fairy service right where I want him. 20 feet in the air? He's keeping me moving so I don't plant roots. It's a constant struggle. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! D'accord, on peut rester trop longtemps dessus. Ah, merci. C'est tout. C'est tout. Des fraises qui volent, qui flottent. Ouah, ça va être technique, hein. Ouais. C'est vraiment en mode... Let me get this out of your way. Oh merde. Je m'y attendais pas.
Hey, wanna hang out? I think I hear some baggage nearby. What's that sound? Mais je le vois, il est là. Sauf que j'ai pas son. Sauf que. Putain, ça va être chaud de trouver quoi que ce soit dans ce niveau. Hein. Je suis assez perplexe pour le moment. Ouais, il est très. Ça a l'air d'être le bazar. On verra, mais. Ça a l'air complexe. Hein. Ah bah, il y a un truc. Tu peux monter sur ça? Ben, je pense, oui. Ok. Comment on monte là? Mais avec la tige, c'est pas possible. Non. Careful! You almost touched. Avec la paille, tu veux dire? Ouais, avec la paille. Là, comme ça. Ouais. Ah, oui, je pense. Je pensais pas que ça passait. Hein. Ah bah tiens. Ouais, et il était là-bas. On va repasser par la paille parce que ça va être la galère. Sinon. Il y a plein de paille. Oh, il y a un noyau. Oh non, pas un noyau. Une perle. Une perle de sagesse. Et là, ah, mon dieu. C'est un drôle de mot quand t'as fait ça. Ok. Ouais. Et après, ils donnent les étiquettes pas trop loin. À chaque fois, ça peut aller. D'ailleurs, on n'a pas regardé qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce nouveau combien de sacs. Alors, ce niveau incroyable. Les bouteilles de Bob. Qu'on aurait dû faire avant. La collection de Cassie, selon lui. 165 bribes, 2 perles de sagesse, 2 demi-cerveaux, 2 coffres et 5 bagages. Ok. Et vu qu'on a eu des points, qu'est-ce qu'on peut augmenter? On peut augmenter la clairvoyance, mais bon, c'est pas forcément le truc que j'ai envie. J'ai vu de... qu'il y avait arrachage rapide avec la télékinésie. Ouais, mais il faut 5. Ah oui. Donc il manque un point. Ouais. Ok. Ça, c'est 7. Ah oui, pour augmenter donc, la. Donc, pas vraiment. Bon, après, là, on va dire c'est un petit peu plus. Bon, il est là, lui. Bon, c'est quoi ton problème? C'est un peu plus secondaire, on va dire, au niveau ouais. Des. On est revenu là. Enfin, c'est mieux, toi. C'est très spécial comme niveau. Ouais. Don't get so close. C'est un niveau complètement timé sur tes actions. Oh, pas une étiquette. Oui, j'ai vu. C'est pour ça qu'on a le. First tag. Ah oui, le. Boing, boing. C'est pour ça qu'il y a ça. Ok. Attends, parce que le sac est pas quelque part. Si, il pleure. Si, il pleure. Oh, you don't want to be near this thing. Il est peut-être après, hein. Mais... Oui, peut-être. Je vais faire vérifier. Parce... On l'entend quand même. Il est peut-être juste après. Hein. Next time, I'm really going to hide this. Have you met my friend? Look
looks like my plant friend is caught up in some regrets. What are you talking about? I have no regrets. These must be somebody else's. Hmm. On a pas trouvé le bagage. It's almost like you want to get hurt by this thing. Non mais, on retourne en arrière. Mais. Alors attends. Bah là, sur la main, on peut pas y aller là, pardon. Oh, super, merci. Non, ça on peut pas. Non. Je voulais voir parce que ça faisait non, très plat. Peut-être la main. Hein. Non. On régène jamais de la vie dans ce jeu. Dans ce niveau. On marchait sur ça ? Non, c'est non, bon, c'est purement. C'est vraiment du décor. Mais c'est bizarre, si on entend bien. Mais où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est, ce petit sac ? Oh putain, je viens de le voir. Et où ? Oh putain ! Ah d'accord. Ah mais oui, il y a un lierre. Oh là là. Oh, t'abuses. C'est abusé, un peu, là, hein. On voit rien dans ce niveau, on voit rien, il y a tellement de trucs. Oh, le décor, c'est quoi. C'est tellement coloré et tout. Tellement coloré, et puis il y a tellement d'éléments, ça grouille d'éléments partout. On voit rien. On voit pas grand-chose. Puis c'est quoi cette eau? C'est une citronnade? En même temps, il y a un mélange entre des... Putain, le truc qui repart dans l'autre sens. Il y a un mélange entre de la bouffe, des plantes. Attends, je me prends une sucette. Ouais, ouais. Parce que là, c'est compliqué. Là. Visiblement, il y a un problème d'alcool, ce monsieur. Bob's a no-no. Oh, sa mère. Oh putain, ça va être. Eh, franchement, c'est un niveau que tu peux pas poser le pied trop longtemps. Oh, c'est trop beau. Le beau jardin. Avec la très jolie fleur. Bonjour. On peut monter sur vous. Oui. Mais pas trop quand même, visiblement. D'accord. Hey mom, are you heading out to the greenhouse again? C'est la maman, visiblement, la statue. On dirait que c'est une personne qui se sent très seule. Ouais, complètement. What are you doing out in the greenhouse for so long? Mom? Well, that's a little foreboding. Oh yes. Only very bad things down there. Perfect place for this. Oh, come on. You'd better leave Bob's memories alone. You don't want to bring out one of his bad moods. What's so dangerous about a bad... Uh-oh. Look, Mr. Mood, I'm sure we can work this out. For instance, let's examine the source of life. Mauvaise humeur. Oui. Ok. Not working. Ah ouais, ok. C'est quoi le délire? Ah. Okay. Let's see what's causing this bad mood.
Ok. Je suis pas très bien compris ce qui s'est passé. Alors, que se passe-t-il ici? Le temple de la graine. Mom, it's bedtime. Are you still out here? Mom? Wow. So this must be Lily's great grandmother. Uh-oh. C'est quoi le problème? Ok. La graine. What do moths know, right? Mm-hmm. D'accord. J'imagine on va retourner sur l'île automatiquement. Ouais. Heureusement. Look familiar? I don't know. Looks big. Let's plant it and see what happens. Nothing happened. Guess it's a dud. Agent Zanotto, as an expert gardener, I'm sure you know the value of patience when it comes to... Well, hello. Bonjour. I'm off to find more seeds. Well, don't you think this is enough? More's always better. I'll be right back.